Sur le site de Boussico, en EHPAD et USLD, les équipes se questionnent au quotidien quant à la gestion des troubles psychocomportementaux déficitaires, ceux qui ne font pas de bruit au quotidien et qui sont pourtant très fréquents chez les résidents. Pour appliquer la méthode 3S, nous réunissons un résident, des balles sensorielles, des outils de massage, de la musique douce, des stimulations visuelles, une colonne à bulles, une formation pour les soignants autour de l'expérimentation du toucher-massage. Ainsi, les séances peuvent commencer. Je suis contente d'être avec vous. Et puis, comme j'ai beaucoup mal aux mains, et ben, je ressens moins de douleur après. En proposant ce type de soins, nous instaurons un climat de confiance avec nos résidents, une cohésion au sein de l'équipe soignante, ce qui augmente la satisfaction de notre travail fourni. Le projet 3S a favorisé la qualité de vie au travail des soignants par la diminution des troubles musculo-squelettiques et par la diversification des soins. Le projet 3S est une démarche de prise en charge innovante permettant la promotion de la bientraitance pour les résidents, à la fois par la diminution des psychotropes et notamment par l'amélioration des conditions de travail des soignants. Le projet 3S a été mis en place avec enthousiasme au sein d'une des unités de Boussico et nous aimerions déjà dans un premier temps pouvoir le mettre avec le même enthousiasme en place dans l'ensemble des unités du site et puis du pôle au sein du secteur résidentiel avec une volonté ensuite de pouvoir le déployer à l'échelle du GHT.